Mes chers amis, tout au long du chemin que nous avons parcouru ensemble, je vous ai toujours répété l'importance de la droiture. Au cours de toutes ces années, vous avez su me prouver à quel point vous adhériez à ces valeurs et à votre sens de l'éthique. Notre banque aujourd'hui est un modèle international grâce à vous et au travail que vous avez fourni. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, je laisse le flambeau à Madame Joséphine Delamarne, notre nouvelle présidente. Et je vous remets ce trophée à installer dans votre bureau en guise de bienvenue. Écoutez-la comme vous avez su m'écouter. Merci. Chers employés, vous saurez qu'avec moi, vous êtes au service de la banque. La banque, c'est une grande famille. Je suis votre mère à tous. Vous n'avez qu'un seul choix, faire un bon boulot. Je ne suis pas certain d'avoir compris le discours de la nouvelle présidente. Elle a dit qu'elle était notre mère. Elle est folle, je pourrais être son père. Elle a aussi dit qu'on était en guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si un jouet claque les doigts, tu lui apportes la seconde qui suit, un express avec deux sucres. Et si jamais je n'entends pas quand elle claquera des doigts? Tu auras un blâme. Un blâme parce que je n'ai pas entendu. Tu dois être hyper attentif à ce claquage des doigts. Et si elle ne claque pas des doigts et que je lui apporte quand même un café pour être sympa? Surtout pas. Tu risquerais un blâme pour corruption. Alors, il ne faudrait pas être sympa. Sauf si elle te le demande en claquant les doigts. Mais comment je saurais si elle claque des doigts pour avoir un café ou pour que je sois sympa? C'est avec l'expérience que tu comprendras la différence entre ça et ça. Elle a beaucoup parlé de l'importance de l'argent. Peut-être qu'on aura plus de primes ou alors plus de primes. Du tout. Moi, je ne la sens pas. Oui, rentrez. Je viens pour vérifier le dit et contrôler les comptes et les valider. Oui, nous serons au courant. Tenez, tout est là. M'asseoir, oui, dans votre bureau pour vérifier. Oui, merci. Avec moi, il n'y a jamais de problème de compte. Parfois, il y en a. Non, avec moi, il n'y en a jamais. Vous avez vu la nouveauté de la présidente? Quoi? Elle refuse toutes les demandes de prêts depuis ce matin sans nous consulter. Tout le monde est au courant. Le bureau de la présidente, c'est un courant d'air. De mauvaises nouvelles circulent plus vite que la bonne humeur. J'ai l'impression qu'elle est vraiment bizarre. Tu as raison. Elle n'a pas claqué des doigts une seule fois depuis ce matin. Oui, on rentre. Il y a ces lettres. Merci. Madame Châtillon, pouvez me la lire tant que je refuse les prêts? Je sais que vous avez une fille qui vous a été enlevée lorsqu'elle avait 3 mois. Votre ex-mari et ses parents vous ont chassé lorsqu'ils ont su que vous aviez reçu Sciences Po, une amie qui vous veut du bien. Moi, je comprends pas. Hein. J'ai que des ennemis. Cette fille
d'un compas, ce serait votre fille? Je sais pas. Votre fille, ça lui fera quel âge maintenant? 18 ans. Vous serez heureux de la retrouver? Ne parlez pas de malheur.